une balise du Nero. Dans la mine. Un injecteur. Le Nero se gardait tout le bon matos. Ça devrait faire l'affaire. Un micro-enregistreur. Voyons ça. Doc, qu'est-ce qu'on fout là? Il doit y avoir un millier de ces mutants là-dedans. Ce sont pas des mutants. Et parlez-moi fort. Pour l'amour du ciel. Oui, je les vois. C'est pour ça qu'on est là. Commence à bouger, Doc. Il commence. Qu'est-ce que vous racontez? Il s'y perd. À cette heure de la journée. Doc, laissez-moi travailler. Ça, j'ai presque derrière. Ouais, et c'est pour ça qu'il faut jamais réveiller une horde. C'est QFD. Qui traverse. Il y a des trucs qui changent pas. Tout est bon. St. John, ici Copland. Je voulais juste te dire que Peaceful Lake apprécie tout ce que tu fais pour nous. T'as vraiment changé la donne ici. Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. Vous m'avez entendu parler des hélicos noirs du Nero. Eh ben, on n'en a pas vu un seul depuis des jours. Mais criez pas victoire trop vite. Le Nero n'en a pas terminé, loin de là. Si les hélicos ne volent plus, c'est seulement parce que les mecs à bord ont trouvé ce qu'ils cherchaient et que tout le monde est rentré au bercail. C'est la phase finale, les amis. Les fédéraux avaient élaboré leur plan bien avant l'arrivée des mutants. Maintenant, ils vont prendre la tête.
terre d'assaut. Et malheur à ceux qui se mettront en travers de leur chemin. Mais on a tenu le coup jusqu'à maintenant. On va pas baisser les bras après tout ce temps. On est des combattants. On a survécu à 2 années dans le No Man's Land. Dans le cirque des mutants. On est plus que prêts. Comme je t'ai dit, Cope, tu sais pas la moitié de ce qui se trame. Mais je suis d'accord avec toi. C'est loin d'être terminé.
Et merde! Je vais juste fermer un peu les yeux. Je pense que c'est bon.
Attention! Bidon d'essence. Ah, t'en avais bien besoin. Ça y est. Ah vache, qu'est-ce qui s'est passé ici? Bon, autant jeter un coup d'œil dans le coin.
Thank you.
Yeah.
Ah, prêt.